Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Marie, oriente nos choix de vie. Réconforte-nous à l'heure de l'épreuve, afin que, fidèles à Dieu et à l'homme, nous affrontions avec une humble audace les sentiers mystérieux de l'existence, pour apporter à l'esprit et au cœur de chaque personne l'annonce joyeuse du Christ, Rédempteur de l'homme. Marie, étoile de l'évangélisation, chemine avec nous. Guide Radio Maria et sois sa protectrice. Amen. Sainte Vierge Marie, Reine de Radio Maria, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Saint Jean XXIII, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, à l'écoute de la voix mariale, loué soit Jésus-Christ, à jamais. L'occasion nous est donnée, en cette ambiance pascale, de nous retrouver de nouveau et à nouveau pour parler, sinon vous entretenir sur la Sainte Liturgie, comme nous en avons l'habitude les vendredis, dans l'émission dénommée Ars Celebrandi. Nous avons eu un long moment de répit, meublé par d'autres enseignements, d'autres émissions. Nous voici à présent pour renouer avec notre tradition liturgique hebdomadaire. Avec vous aujourd'hui, René Tétégan, membre du clergé diocésain de Lomé. Nous allons prendre pour thème aujourd'hui l'œuvre liturgique de Monseigneur Robert Casimir Dosset Agnon. Surtout, la réappropriation de la réforme liturgique post-conciliaire dans l'archidiocèse de Lomé. Comment est-ce qu'il s'est pris à ces réformes? Nous allons en parler tout à l'heure. Novi Radio Maria, Petruto, Neokafu Yesu Christo, Tegbe Tegbe, Amen. Le Pascal Yamauba de Mobe, Miabadogo, Miopata Minyanuerebe, Kwasida Duvaya, Wanabu Nwani, Uwanaya, Kimionami Archilebrandi, Rumia Bosubo Konua, Tepe, Wopata Oni. Nyagombe nufiofio koso chumido le bobokudo le hoseme emi ba gendo miabe nufiofio komiona kunado miabe amebe subo subo konontia nyagba tropo taduame so egbe fidaji fada René Tétégan solo mi episcopo nopea. Et là, il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de wa dona wonti agbagba jeje wonti njurumia pompona miso ne egbebe wona be yam de mowa mi la baba yeji le ebu ojame wa mi le do apena mi dongo do miabe torodonti ke gwe mi apotaro mea mina
Niasi ehadeka. Nous disons merci à Justin qui a la technique et qui nous a servi ce beau morceau, cet instrumental qui nous fait rendre témoignage de l'événement pascal. Jésus est vraiment ressuscité et toujours vivant. Merci pour ce beau cantique allemand dont nous venons de savourer une strophe. Alors, nous voulons vous entretenir sur l'œuvre liturgique de Monseigneur Roberto José Casimir. Quand on revisite l'histoire de la liturgie au Togo, il est bien saisissant d'y découvrir beaucoup de traces laissées par cet évêque, Roberto José Agnon, l'un des pionniers de la réforme conciliaire dont nous faisons mémoire ces jours-ci. En réalité, il a su donner un visage à la liturgie, enseigné, vécu et défendu par la parole et par la plume au Togo et ailleurs. Monseigneur Dossé a eu cette grâce insigne, voire extraordinaire, de prendre une part directe aux travaux du Concile Vatican II au lendemain de son ordination épiscopale, puisque le Concile s'est déroulé de 1962 à 1965. Tout Concile, comme nous l'enseigne l'histoire, donne lieu à une réception. Une réception plus ou moins différenciée. Vatican II est en général bien reçu dans l'Église famille de Dieu au Togo, dans son ensemble. Mais nous pouvons nous poser la question pour approfondir notre sujet, de savoir comment s'est opéré à Lomé, particulièrement sous Monseigneur Robert Dossé, l'appropriation des directives données par la Constitution sur la Sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, le document, dirions-nous, matriciel. C'est sans doute cet évêque à l'honneur qui a pu étendre le rayon d'action liturgique de ses prédécesseurs, s'inscrivant ainsi dans une référence à ses devanciers que nous connaissons bien, entre autres Monseigneur Joseph Schreiber, Monseigneur Jean-Marie Sessou. La liturgie est l'une des orientations pastorales prioritaires de l'épiscopat de Monseigneur Dossé. Puisque nous évoquons le Concile, disons que son souvenir de cet événement du Concile donc est resté intact et permanent jusqu'à son dernier souffle. Chaque fois qu'on l'interrogeait sur comment a été le concile, il avait toujours une réponse à donner, une réponse précise et exacte. D'abord, nous allons voir comment, au lendemain de ce concile, celui-ci a été célébré au Togo, sous Monseigneur Dossé. Le déroulement d'un concile à Rome a éveillé un réel intérêt dans un Togo nouvellement indépendant, avouons-le. Puisque un concile, ce n'est pas une simple réunion, mais un événement qui se célèbre.
Lomé, point de centralisation administrative et politique générale en tout domaine, constituait un foyer important du renouveau pastoral et liturgique, marquant l'ensemble de la pastorale au Togo. L'Église catholique au pays, dans sa tête et ses membres, devait s'engager dans l'aggiornamento conciliaire. Il s'agit du renouveau voulu par le pape Jean XXIII en lançant l'idée du concile, la mise à jour, d'où la nécessité de mettre en évidence le document de référence que nous avions cité, Sacrosanctum Concilium, tant dans ses intuitions fondatrices que dans ses conséquences liturgico-pastorales pour notre pays, en particulier pour Lomé. À leur retour, nos évêques, ils n'ont pas tardé, chacun dans son diocèse, à expérimenter les acquis liturgiques du concile. Dans la phase immédiatement post-conciliaire, avant le retour des pères togolais, l'archidiocèse de Lomé a organisé une messe versus populum, excusez-moi de l'expression liturgique latine, versus populum, ça veut dire quoi? Une messe vers le peuple, une messe face au peuple, puisqu'avant le concile, le prêtre tournait dos aux fidèles. Donc, Monseigneur Dossé a organisé déjà, en matière d'application de la réforme, une messe versus populum, le 8 décembre 1965, pour marquer la clôture du concile. D'ailleurs, l'instruction romaine donnée pour une première application de la constitution conciliaire sur la liturgie mettait déjà l'accent sur le fait que l'Église tout entière doit être centrée sur l'autel, l'Église en tant que bâtiment, et que dans les églises nouvellement construites ou dans les églises restaurées, il devait être à une centaine, l'autel, hein, l'autel devait être à une certaine distance du mur pour que la célébration versus populum soit possible. L'autel devait donc être disposé de telle sorte que le prêtre et le peuple se regardent l'un l'autre pour former ensemble le cercle des célébrants, dans l'esprit de l'ecclésiologie de communion voulue par le Concile Vatican II, qui a tant insisté sur la notion de peuple de Dieu. Cela seul, pense-t-on alors, pouvait correspondre à l'esprit de la liturgie chrétienne et à la consigne de participation active tant clamée par les pères conciliaires, et rendre ainsi la célébration de liturgie moderne fidèle au prototype de la Sainte Cène, comme le signifiait le cardinal Joseph Ratzinger dans son livre « L'esprit de la liturgie » à la page 65. Rappelons que Mgr Dossé s'est employé déjà à ce que les nouveaux lieux de culte soient aménagés selon les nouvelles normes liturgiques, de façon à offrir une capacité d'accueil suffisante malgré les difficultés liées à la gestion de l'espace. Ceux qui ont les anciennes photos de la cathédrale du Sacré-Cœur pourront voir comment l'autel était disposé avant le concile et comment, après le réaménagement, on l'a disposé. Dans nos églises en général, le réaménagement du maître-autel pour la célébration versus populum n'a pas tardé à motiver Sokodé, Sainte-Thérèse, un peu partout, car conforme à l'esprit de la liturgie
et à l'idée de participation active. L'hôtel est désormais bien centré, séparé du mur de fond, accessible de tous côtés. Monseigneur Dossé y a veillé sur toute l'étendue du territoire diocésain. Dans les églises préconciliaires toujours, le maître hôtel a été remplacé et se trouve face au peuple sur une plateforme. La plupart sont entièrement en béton. Au départ, l'autel de la cathédrale de Lomé n'était pas collé au mur, mais en avant du sanctuaire, surmonté d'un baldaquin à la romaine. Signe de prémisse d'une nouvelle floraison, l'Eucharistie qui a été célébrée le 8 décembre 1965, solennel, bien évidemment, a été concélébrée par les curés et les supérieurs de maison, tel que voulu par l'archevêque Monseigneur Doucet, présidé par le vicaire général d'alors, Monseigneur André Dominique Anaté, en l'église de l'Immaculée Conception de la ville, en présence d'une grande foule de fidèles. Nous en avons des précisions dans Présence chrétienne numéro 134 du 19 décembre 1965 à la page 2. À son tour, bien avant la clôture du concile, le 7 mars 1965, premier dimanche de carême, Monseigneur Dossé a concélébré pour la première fois dans la cour de la cathédrale de Lomé la messe avec 12 prêtres, les 7 curés de Lomé d'antan, le directeur du collège Saint-Joseph, un curé de chaque doyenné extérieur, à savoir Thévier, Palimé, Anéhor, et le père prieur du monastère de Djobégan. Une bonne partie de la messe a été dite en évé. Le canon romain était bien évidemment en latin. Les ornements violets utilisés pour la circonstance ont été confectionnés spécialement pour cette concélébration dans les ateliers des sœurs de l'œuvre de Saint-Augustin, OSA, à Saint-Maurice en Suisse. Le 5 septembre de la même année, à la fête de la dédicace de la cathédrale de Lomé, a eu lieu la première concélébration sur le nouvel autel face au peuple. Quand l'archevêque se rendait aux différentes sessions du concile, à l'issue de la messe pontificale qu'il présidait à la cathédrale de Lomé, on chantait la prière pour les voyageurs. À son retour définitif, le jeudi 23 décembre 1965, il a été accueilli par le clergé, les religieuses et de nombreux fidèles laïcs, parmi lesquels des délégations des conseils ou comités paroissiaux de Lomé et des stations de l'intérieur du pays. L'archevêque se rendit ensuite à la cathédrale pour présider une messe devant une nombreuse assistance. Nous sommes le 23 décembre 1965. Dans son allocution, il résume en quelques mots ses travaux et ses courses à Rome et à travers l'Europe. Notons qu'une cérémonie grandiose d'action de grâce et de l'unité a rassemblé les fidèles de Lomé. Une tradition s'est alors créée de célébrer avec un éclat particulier la Pentecôte, anniversaire du sacre de Monseigneur Dossé, et donc avant la prise en charge du diocèse par le clergé autochtone. L'archevêque a encore concélébré une messe solennelle avec 24 prêtres, les curés et le vicaire général dans la cour de la cathédrale. À cette occasion, il inaugura solennellement
le nouvel habit liturgique des lecteurs. Une robe blanche ornée du côté gauche d'une sorte d'étole droite. L'aube est inspirée des ornements de la liturgie ambrosienne à Milan. C'est ce que portent aujourd'hui les ministres extraordinaires de la Sainte Communion, les Fidei Custodes. Les 8 ministres à l'honneur venaient de Lomé, Nuepé et Anehor. À la procession d'entrée, l'ordinaire porta solennellement l'évangile qu'il intronisa devant l'autel face à la foule. Après la monition d'introduction, on passa à la lecture des messages adressés par les pères conciliaires à toutes les catégories sociales. Parmi eux, le message aux jeunes, lu par M. Adjaclé, le représentant togolais de la jeunesse et du laïcat africain au Concile Vatican II. Puis vint la messe proprement dite. On vit Radio Maria fait tout le temps où Monseigneur Dosea, mille pour nous poso, agbaba kobedi, aso, zondo, concilio, alo takupe gangole roma, sope, akpe de ka, la faci de ke, bladen vo, vevana, bladen vo, aton, aso zondo, do, doa oji, doa, no wo concilio, alo takupe gangon tongbe ya, okponabe, et Djedjina Mou, Rouenuedea, et on avait la réception, du concile. De Kebe Nouel, Togoro, Veveto, le Lomedo, Nebela Nouendo, Desona, Veveto, Episcopo, Bagbagba Djedjio, Kudo, Yentimeo, Ehado Oto, Wahado Oto, Kudo, Nolao, et Miagrombe, Ame Vio Pata, Mopi Dukome Vio Pata, bon. Wa, le Lomea, et Dogane Beni Djani. Et puis ça pour Dosset Djagbagba Beyawo. Eye, lebe, ame vieux be poplobe dodo mea. Et na te pe gande liturgia. Et so belle tohere sonne. Ke yew le wu concilio Vatican ou anoule Roma. Lepe akwe de ka, a la faci de ke bladin voiton. Que bobe et un poba do l'omewa et de mobe le bengo de miserica ou mis à gande le loame. Wasso kado do kudo ame ale roma. Le concilio aben oua begame. Nya don qui tiabe koto concilio a dit pe akwere kwa la faci de ke bladin vo vemewa toko wa blode a mia blombe pe vekwe wa. Au don bon abro de Hohoan Tocha, épiscopo Dosek Pedo, épiscopo Robert Sassrentile, Daome, Yung Long Roma de Vaï, Wame Vocho, O Popu, Mlonde de Ume, O Yohoma be de Pret Noir Saint-Eroge, Gamea Oni, Sukulu Yomia Blon, Sukul Koko, nous sommes là-haut, la blotti, donc le romain. Fadabou, ton grand, de ke mia tem so de le mia be de konu me awo do kudu mia subo subo konu le mia tu en gbegbo gbon me de ke mia te to asile ndo ntiro episcopo Robert Sastre ete gro nebe nu ojinto o ne frase be adaptation de ke wa wedo ba jeji wa so mia bendo wa so duro nyu kokuya be ke klen vundo eji mia te zan ou le mia ve soubo soubo konwa me ou. Gan me kwa ta ou le dren avou. Mè mwen aspiration na
ni agbon be mo subo subo ko nu be jeje nu ele Africa ni gba chaji ni agbon be mi anobi anti ocho to nu mi fada do nu anyi gawa mi ti ama mulago kongo toro cho do nu mi opo to nrun mu wa e won yo meye mi agbon be ablode be yan vakudo concile vaticano evegua eva Allez, aïe. Et puisque pour dossier sort de l'aïe, comment créer pour des taux pour d'eau liturgie anti les consignes à Benou, liturgie à Benou, toujours tout en tout jamais à blanc. Yo des taux, 4 décembre 1963, consignes à Benou, nous voir, liturgie à Benou, yo des taux, sacro-sainte pour pontil ou mouillé. Oda, ni coq ou sort, mon agmalé à Benyati, et toujours tout. Sona Roma, yo sona Roma ni inyati vitu kwa to sona Roma. Yewa. Ale aye le, miyak mwabe, lo mwabe, piskopo nopea, ken gwaye, togo be, piskopo koi, Roma o wakboa. Lo meya, monsu en dosen, biyoso, nno la okbo veveto, vike jera ke nwanyi gamea. Monseigneur Dominique André Anati, be wo oh, chochi gande le cadeau me coûte Roma be bon gbele ni immaculée conception bazan po wo le immaculée conception be do wa me ni kona po wo oh, chochi won le fun wa 8 décembre 1965 yo mi sa wa ye gbon gbe a Episcopo do se bios wa gbo be no so zondo tortroye ko le va oji o dododo le gbeto ho mea fa do wa panko ami hawa o misa yo buna be vo sakpea ma ba tero e glianti o siare ke be no na sane ne o e mi agbon to chan be e dum taro glianti o wa o wa do debe fa da do la son gbo do mo do da mo fa da ku da mo pa to la panko e glia wọn gbe ya o o to tro o try po le yin kona pe be gbedo wa mi o so zondo do do aji gbe episcopo an to ba gbo do ni ni to tro ava gan mi won pe wo onu adu debe ami si e ba tem popu tro do vo sa pe a do le ta pe pe gan le roma kia ye o gbenbe wan nasi homo be jukon ke le po gomele nu amea ngba yin be amodo leta ko mu le wu chaka kudo amoko le gomme wa amodo le kaka gomme wo ya o nono wa be gomme ale funu awo mi o pata nu ke gbe mi to vo sa ke gbe mi to ke mi le po gomele mea mu si anu ke le jole mea mi a mon jenti enya ke fa dale pa mi anya ke be le gbra mu e de kala no Et j'y ada le pe a jida la no ponu po sumo bi de kan fwa no do inti de kwa ekpa. No va trok pan komiyan kwa be Dominus vobis kou miya do inti kwa ekpa kpa. Me ya me do no na rosaro hlen ole. No le lati gbo le sende kwe gomu. Concile Vaticano be game ova gwen be awo. Ba me sou bo de jojron an sofyo. La fi kabe judon to tia mele. Kwa lun mele Congo. A mongon nou. Yo vo de be jo me a mongon nou to. De Belgique. Lambert Baudouin, les France, Don Guéranger, Lambert, pardon, Prosper Guéranger. On l'a dit, le ni pona pe gamin e won yo me a episcopo panto ke gbova e jagba be totro yi won wa de basel nkuta le gbedo ho patame ale aye amotive mi agbon mo pe be gbedo ho bi ke no anyisan le moto me a agoyin be to ke no le moto me san e ko je to gbedo ho patame ko yi ho pata ko tu dongo na concile vaticano evegua o wedo debe o sakpe magba no egliti fa da batron bo do me do amowo mia toa e jagbagba le gwon mi nton do a o wona sabe fa do mbo na puro
Juona misa. Con celebration na nanyo. Don kentia. Tovona vosakpe. Keleni dodometo gawa. Kitaro gliantia. Vosakpe bulo brona konadi. Le. Akpado nabe chapelle latérale. Vous savez, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps, parce qu'on a des cas grands, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de maître hôtel. Et on a fait un peu de temps, l'épiscope de Jagbabe, où elle est, a fait un peu de temps, on a fait un épiscope de Nopéa. Tout vous n'avez pas. Quand vous voyez le conseil, vous allez voir nous. Nous avons dit que nous avons les pays, avec les cas de la face de la tête, les petits tolèmes qui sont en train de se faire. Et puis, ce que vous avez dit, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous les miens épiscopes n'ont pas ouais les cathédrales béhiyan oh mission les hiyan fada me weve miens bref fada on subo si bévi fini néo fada me weve et après ben l'homme ben fada gam mandrin on est épé Saint Joseph ben collège ben fada gam on est épé et les miens ben et puis, si vous prenez un peu de temps, vous avez 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 un peu de temps, eye kenyi ben nou babla ya a ukoso misa gan me a viole kola wa a wa mi agbon be Saint Augustin be sister we tuen le kaka be a we gan me le Suisse Saint Maurice kaka funu ton wo le sova lo ame yo do eye epe wan keme pe ou le ti asi de quel gombe kwasi ta chugmanto agboduna cathédrale be ma uwa benti kokobaze 5 septembre 1965 ye ogba o kon celebration igbedo kwantome fa do subo popu vo sakpe episcopo antono de ogba weke ni episcopo jayi do o ma concilio amu be nupo benyi kwa ko ifunu pe ya kode kala fasi de ke blade obo bo chifu kaka na o yina gbona yina gbona yina gbona e ele sibere ko na sino de chambe bobo e ni pa ni bishop le yi ta pe pe o vovovo won ya e ona misa le adabla to gbe do kwa mi cathedral e be dana le ko mi kudi api ha mi vio chon lenti o so na gbe do re so na hajiji mo zon lo be gbe do do re so na hajiji e bishop bog bidie gboke kemle takpepea pewan keme pewreti wevelia be keke blabe vo ton gwanje yawo dagbe dongona christmas bazan be gbon gwangbe awo amoba sole ya me hundo pe oho gbang bang 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 ton fada o sister o mo be du komme vi gbogbodo eye komite meto ko no yi gawo mo lo meto o kudo e dupoti ome le piso pour nos pères, à mon souk pali, me chevier, à zaou, ou à ou elle foun en temps. Et, episcop pour Eva y, cathédrale, beau, misa, la me gouk boudou, banino nomme. Et le misa, wa mea, et poun poun a mon souk bode nou gomme soa, de ke nou il est romanti. Et, afiko bebe tocha, aso di nyen a to gobe, alo bebe to, lo me piso pour nos pères. Ben koi ya, e kansen su yon tina mo, pata, 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 pata. E akwe da, da ben moun gande benyine, ame vyo pata, do akwe da misa gande benyo wo.
mia de jesi chambe koja do fada Robert Dose episcopoa Pentecoste bazan beji e beji po ova do ebe Pentecoste sia Pentecoste dia ono du ebe episcopo zuzu ba zan e won enti dole ton episcopo no pe anyere nto ale ay beji gome gare me yo wo misale cathédrale ke fada blabe von ne no etipe le wa mea lumebe fada gao kudo vicaire général o wele cathédrale be hi an bon gbe ye au ke mi pona fije custos alo communio malao done gbe a bon gbe ye o zen tutu gbe wa o misale cathédrale ye a woni mi so do solin e do na he ye et puis le body son aimé les apparica on a bien mis au dié quand on est collé à vous bémoune et vivre à blanc pour bien et bien son dos sur le one au 10 ou à quoi ton sort d'un son nom rédit et au souhait son sous soin son milano italie avec du homme l'italie avec du homme à on a liturgie ambrosienne ambrosio coquin b mi agbon be subo subo konu no na fun ozana awon ton gbele fun eji o twido awon ke mi agbon fi je ku so so dona egbea e gbon egbea o lebe ni vosa o nwede e konu no emi alova lina evangelio banlea o alido ezidia introduction de l'évangile o we le vosa pe abe nko le hame aben kume eye episcopo le nume de deme le gome de diame a e konu mena mo subon e wan yo me a ohle mi agbon be enyako ti opunu poso mi agbon be enyako so do asibo ahle wa episcopo no hle na e haso so vovo funoye sohe obe mediasi ko so na we acha sohe togoto de kakeyi concilio a apeto ajaple obio so gbon be ba hlen nuke gome polo episcopo pulk papa o nuko jasiro ji me gbon be gbejasi ko so nana sohe wa apeto ajaple et ne la mou pata ben koume. Et moi yon meye ou pota do mi santo me yon. Ni ak bak bon vide ne Justin de moi. Aso. Et ha, ve musika aso mble de vide. Nous allons à présent nous intéresser à quelques-unes des lettres pastorales envoyées à la chrétienté de Lomé par Monseigneur Robert Dossin pour donner une idée précise de ce qu'a été le concile ou des décisions conciliaires. Pour pouvoir passer dans les mœurs locales,
Le concile demandait à être expliqué, compris et appliqué. Les pasteurs du Togo, dans leur ensemble, avaient la tâche sûrement délicate de présenter et d'expliquer au peuple de Dieu tout le contenu et l'enjeu théologique et pastoral des changements, et d'autre part, d'approfondir les axes majeurs de la constitution sur la sainte liturgie et ses conséquences transformantes pour l'apostolat de l'Église au Togo. Ils s'en sont acquittés par divers moyens, mais d'abord par des articles riches en développement explicatif. Donc, il y a eu d'abord un travail d'explication sur le Concile Vatican II, mené surtout par Mgr Dosset pour le compte de l'archidiocèse de Lomé. Ce dernier a présenté au diocèse une explication circonstanciée des décisions prises au Concile. Déjà, le 24 janvier 1964, au foyer Pie XII de Lomé, Mgr Dosset a donné devant une nombreuse assistance une conférence sur le Concile Vatican II avec le reportage de la première session. À cet effet, il exposa une vue schématique du Concile, son programme, la liste des questions abordées, étudiées ou déjà résolues, préférant inviter ses auditeurs à une réflexion profonde sur le sens, la portée, l'importance réelle d'un concile, et singulièrement pour notre Afrique, du second concile. Il évoquait les deux textes promulgués à la fin de cette seconde session. La constitution sur la sainte liturgie et le décret sur les techniques modernes de communication. Donc, Sacrosanctum Concilium Inter Mirifica. C'est les deux qui ont été promulgués le même jour, le 4 décembre 1963. Le tout premier, c'est Sacrosanctum Concilium. Monsieur Dosset n'a pas attendu la fin du concile pour les présenter à ses diocésains. Mais déjà, le 24 janvier 1964, puisque les tests ont été promulgués le 4 décembre, un mois et deux semaines après, il s'est présenté devant ses fidèles pour le leur expliquer. Voyez, cet exposé était structuré en trois points. L'Église va à la rencontre du monde présent, premier point de Mgr Dosset, pour sa conférence au foyer Pie XII. Deuxième point, exigence de l'esprit moderne. Troisième et dernier point, hâter la rencontre Christ-Afrique au sein de l'Afrique universelle. Voilà les trois points autour desquels était axée la conférence donnée par Mgr Dosset le 24 janvier 1964 au foyer Pie XII de Lomé. Développant le dernier sujet, c'est-à-dire hâter la rencontre Christ-Afrique au sein de l'Église universelle, l'archevêque souligna l'actualité de l'effort d'adaptation de l'Église allant dans le sens du dynamisme de nos jeunes églises. Ce qui est demandé à l'Afrique, disait-il, ce n'est pas seulement d'apporter son esprit à un remaniement liturgique en faisant redécouvrir au monde moderne le sens du sacré et la valeur des symboles, mais un véritable effort théologique et ascétique au niveau de notre mentalité et de notre génie. Fin de citation. Mgr Dosset, à sa conférence sur le Concile Vatican II, après les deux premières sessions, le 24 janvier 1964, au foyer Pie XII. Dès la clôture du concile, diverses rencontres, conférences et congrès furent organisés dans différents pays pour faire le point sur les acquis du concile, qu'il y avait lieu de rappeler et examiner ensemble, d'évaluer et de mettre en œuvre dans la période post-conciliaire. Le mardi 6 avril 1965, Mgr Dosset anima une conférence en langue vernaculaire à la paroisse Saint-Augustin d'Amotivé. Le thème en était « Devoir des chrétiens laïcs ». Une grande foule
accourus des parents de Lomé y assistaient. Abordant le sujet du concile, l'archevêque a indiqué que les résultats obtenus à l'issue de cette assemblée étaient la réforme liturgique à laquelle on était désormais assigné. À cette réalité fondamentale, Monseigneur Robert ajouta sa propre note. Je cite, « Le devoir des chrétiens n'est plus d'assister uniquement à la messe, mais d'y participer tout en y assistant. » Fin de citation, Monseigneur Dosset. Il disait tout ça en langue vernaculaire. Autre chose, dans son message et ses vœux pour l'année 1967, émaillé de citations de Gaudium et Spes, l'archevêque exhorta à la promotion de l'unité et à plus de responsabilité dans le domaine civique et politique. Des lettres pastorales et des écrits disciplinaires ont été publiés pour expliquer les changements devant intervenir, pour rappeler les canons liturgiques de l'Église et insister sur leur observation. Le 14 août 1965, Monseigneur Dosset publia une lettre pastorale sur le denier du culte, tout en précisant les finalités, dont le rapport à la liturgie. Le denier du culte était affecté à la réparation du patrimoine immobilier du diocèse, telle la construction d'églises, de chapelles et de presbytères, soulignait-il. Selon lui, le patrimoine foncier était à développer suivant l'extension des villes, villages et centres pour assurer la présence de l'Emmanuel, le Dieu Sauveur, parmi les hommes. Il y a eu toujours en matière de littérature un travail d'explication à travers les médias. Les fidèles étaient continuellement tenus au courant des travaux des pères. Les principaux sujets de la réforme liturgique étaient au cœur des articles conciliaires que répercutait le bimensuel catholique, dont l'audience était grande chez les Togolais. Il s'agit bien de présence chrétienne. Le thème du concile était rangé parmi les priorités. Ainsi faisait-il partie des rubriques les plus remarquables du journal. Avouons-le, le journal Présence chrétienne a entrepris une analyse fouillée de l'événement. C'est ainsi que le discours prononcé par le pape Paul VI aux membres du Concilium pour la liturgie a mobilisé l'attention de la rédaction. Il en était de même pour les changements liturgiques. Qui ont une nature importante. Les nouvelles décisions de la récente instruction sur la liturgie, avec à la clé tous les détails sur la nouvelle messe, les sacrements, les sacramentaux et l'office divin. Aux légionnaires de Marie réunis le samedi 11 avril 1964 pour le congrès du Comitium présidé par Mgr Dosset au foyer Pie XII de Lomé, une projection de films sur le Concile Vatican II et le sacre de l'archevêque de Lomé a permis de se faire une idée précise de l'événement. À l'occasion de la visite de Mgr Dosset à Tado, une cérémonie de confirmation, la population de l'Est Mono a pu revivre sur écran la première session conciliaire. À la veille de la première messe solennelle de M. l'abbé Placide Martin à Javon, décédé le 18 avril 2004, à Takpamé, le 26 juillet 1964,
Donc, Metz a attaqué Pamé le 26 juillet 1964. Une séance de cinéma sur le concile a eu lieu. L'ensemble de ces considérations témoigne de la portée instructive de l'événement qui n'a aucunement laissé indifférent nos pères évêques, en l'occurrence Monseigneur Robert Dossey. Novio, nous m'aimons d'aider sous Baba Vemé, le Concile Vatican et Fégon Ayoumé. Aléaïn, Miabe, Episcopogan, Robert Dossey, et Moulagban Léo, c'est parce qu'il va nous m'aider d'aider Episcopo, on est ami, et nous Moulagban Léo d'Oda. Asso de nous gommer. Allo, et Donina, asso Siaminande. Réveille-toi, concilio et amuni, bébleme nous, et nous bénis à mes siens de la seconde, mais quoi, Monseigneur Béo, et nous y a maté d'acier, et vio, on a ni les nous mania mania me coudouintio. Et puis, pour porter au chant le Togo gamme, ou tiens, ou que qui accordonti, les de nous gommena mou, l'ingle roma, ou c'est nous réveille-toi, coudo, les turgayani, n'de qui a mes siens me quona gwisiagwe, n'a mes siens quona gomme. Subosubo konu megbisiagwe. Mi savo sa. Oma na ekwa so noma chue la vo mebe. Odeke nuwa trobi fiye ya a o. Wadu la denu gomena mo. So Concile Vatican epe gwan ti. Ale aye. Pe akwe de ka lo fasi de ke bla den vo ne. Pe ule ti gban to men ke bla be vo ene liya. Mi adon kwi tiambe. Ko Concile Vatican epe gwan. Et où nous, pe à quoi les cales faciles, les blagues d'un voiton, ou encore où nous boyons de homa tu bantes auto. Tu bantes encore de toi, pe le tien, ou est vegan, que ke négoin, que le pe, à quoi les cales faciles, que blagues d'un voiton, mais. Tout au concile, a dit, pe le cacou, ou le boyon de homa, ou en tous les cacoudo, que kunado, et n'y a qu'un cambe, n'yanti. Tu bantes au yébé, sacrosant tout continu, mais vegan intermirifica. Qua kenibé, et puis soit pour boire, ouéa, et noir, au de homanto, 4 décembre 1963, 24 janvier 1964, quoi, et puis soit pour un, et toi d'audi, et bois mou, béo, nous me dédéna, ou conférence, so conciliante, les fois, et puis 12. Et bede nous maintenant mon temps avec que ta coupe tu bats toi noël de mes doigts bébé il doit et pour nous poso y est tombé dodo chanti et tanya conti au dosoa allez on te épiscopo au bonado d'un de la danse au tanya d'ontia et de nous gommena mon tito tito tito. Et nous, quoi, Afrique, à l'épiscopo, à son Kurwabe, à l'Ouabe Didio, à son Totro Eva, le Wabe Afrique, à l'Ouméa, et de nous, si à nous, gomena mou. Et, que, oh, ta coupe, vegouan, wa, deuxième session, wa, et, oh, de vous, ma, veke, minyami, blanzade, à tout, les trous, guia, tokudo, et n'y a ta kaka, to, oh, de wito. Nintie ni sova ya décembre mais elle est blade que au de sacrosanct continue au bémato ou au taque que soit anti le Sénégal kudo yo vote be duome et ni asinu popo mi on ti ami gbele et moi ya nous les filles be mi agba dengle so homa wanti le mi le wanti do mi yonde be réception ne au concile bodé essayer de auto allo totro hero to ade ke mi mi le wenti do do e ba hinne wa compte a so wanti évaluation mi blonya on va y le fier et puis so pobe ta kwepe ke bo kujo mo conférence a e betanya o mebo apa a me tomé aleye ha me ave le dogo hiya me gbe are ke hiya me le gan me a l'église va la rencontre du monde présent. Kododo kelevè me, ha me akudo, hi hi a me ale kebe le gan me a.
et pour me poser une dit yé boboyé que les grands mères nous gon rien et à mes bao basso zondo ne n'est pas audio mais mi ami ba no agbo en déphasage au wadi pour mieux mais les trotteurs et que les vaillés à mes allées dès que à mes nous gagnons rien sur à mes tiens bao bo puisque pour me poser nous on dit avec Christ au Kudo Africa, au la Dogole, Hame Amele, Hie pour Godo Ame, et pour nous, 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 bon temps. Nous, 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 et puis, ce qu'on va bon, Marie Abbé, Asrafouha, Métou, Tcha, Légion de Marie Tou, les Foyer Pi 12, les Founois des Morts, au dénommé Tataro Sophie, film, Kudo, Concile Vatican, Noévé Guanti, les Foyer Pi 12, les Pé, après les cas, la facilité que Bladin Voné, Péretine, les Gomes, Kéké. Il y a des kegwang, ni même les dadegbe. Oh, film so, et bien, puisque vous avez joué gentil, et bien, comme on dit, na oui, et na mo, bah c'est moi, comme je vais aller, moi, il doit. Et bien, vers mes chambres, et puisque vous pouvez ça, dit, c'est vrai qu'on a un mec plola, uni, si vous plotonnez, et nous, on a ça, dit, na. Et puis, pour nos pères, ben nous tous vous vomez. Nous sommes tous les tado qui de fait ça. Nous sommes tous les gens qui ont fait ça. Et nous sommes tous les gens qui ont fait ça. Et puis, pour nous, nous sommes tous les gens qui ont Concile Vatican et fait Guanti. Nous sommes tous les Boubouton et Beko. Placide, Martin Ajavon, et trois mecs, le pays. Après, le coup d'eau, négoin, petit négoin, mais quelqu'un, oui, négoin, bé. Quelqu'un, mes amis, a mis le don, qui est moi, père Placide Ajavon. Et bien, a mis le don, qui. Père Placide, qui avait mis ça, ben, toi. L'attaque, ben, mais, donc, on a mis ça. Même les dagbe, oh, cinéma, n'a pas eu ce concilio anti. Et au pata de Fiobe, les Togwa, Tomiabe, Episcopo, Dose, Bervou, Wagwaba de Diomea, Mia Tomia no Kunwa ni Gamea, Ona, Omnonu Manya Manyame, Episcopo no Pepo Tiocha Neka Benoa, Omnonu Manya Manyame Kudo, Takwe Gamantio, Egbe Mamiawe, et Dokotia Ponkumena, Oma Kolwa, en Suinti, Nufio Fio Kolona Miso Antia, et il doit être même mieux que mon de wanti. Après, papa, quand il est déjà sorti, tu as trouvé qu'au vol, à son son de wadio. Gamé, si tu es nommé anti, amila, c'est que tu as dit, ouais, n'y a pas de boulot, mais il n'y a pas trop de gonis soir. Le veto, et d'obé, d'y a qu'au épiscopo, d'osevado, les commissions, kobedo, commission, kobedo, à son. Jagbabo, tu as trouvé le mien, épiscope pour nos pères. Si tu as trouvé l'épiscope pour nos pères, tu as trouvé l'épiscope pour nous, tu as trouvé l'épiscope pour nous. Tu as trouvé l'épiscope pour nous. Ba menou be nou kwa peto le doudou koro mi a di a. Mi a diye bak pene. A bien nou ke gombe di la mese membe a. Ba yi ba wè nou lenti pa fa me ye. Mi a poto no biyo du jom a vwane mi a toa. Episkop wa. E ne le ma ou bo a. Le dou paska ma vwa le fou mwa. Man grobe mi a o chon. E nan do gbe la nou mi a ta. Kasi a game lo. Ak pena. Mi a nou be Justin ke nou adambe mo a di. On a eu un million de axes chez les brandy. On a eu un million de brandy. On a eu un chers amis, à l'écoute de Radio Maria Togo.
l'heure avance. Nous allons devoir arrêter cette tranche et laisser le studio, sinon le micro, à d'autres intervenants ou pour d'autres émissions. Nous vous disons un cordial merci pour votre aimable attention. Nous avons vu comment Monseigneur Dossin s'est beaucoup investi dans l'appropriation des décisions conciliaires, notamment dans le domaine liturgique, pour le bien de l'Église catholique au Togo. L'application de la réforme continue dans la dynamique de la récession de ce concile dans notre pays et ailleurs. Pour ce qu'il a fait pour la réappropriation de cette décision, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour les grâces pascales qui sont quotidiennement déversées sur nous. Et continuons de prier pour le repos de l'âme de notre évêque, Monseigneur Robert Dossin. Du haut du ciel, après son admission, il ne manquera pas d'intercéder pour nous, pour l'Église en terre togolaise, pour que la paix y règne. Prions aussi pour notre pays, que le Seigneur nous prenne en pitié et qu'il ne soit pas pour toujours irrité contre nous. C'était Archele Brandi, animé aujourd'hui par René Tétégan, membre du clergé diocésain de Lomé. Merci, que Dieu garde chacun d'entre nous dans l'espoir de nous retrouver très prochainement pour la suite. Nous vous souhaitons un bon dimanche d'évocation, un bon week-end. Que le Seigneur nous garde unis. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.